Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve ici pour réviser des flashcards santé accompagnées de l'IA. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons aujourd'hui l'insuline. Et en ce qui concerne la flashcard inédite, nous aborderons le fameux mycélium. Ça va pour vous? Alors c'est parti! Quels sont les niveaux d'insuline sanguine considérés comme sains pour maintenir une bonne santé? Waouh, je vais sûrement me faire tuer par les diététiciens et les diabétologues. Alors, des taux entre guillemets normaux d'insuline dans le sang, ce serait un taux entre 2 et 25, si je dis pas de bêtises. Pour détailler, on pourrait se poser la question, pourquoi une échelle a un gap aussi grand entre 2 et 25. D'ailleurs, la mesure, c'est 2 à 25 micro-unités par millilitre de sang. Ça, il faut vraiment le mémoriser. Et pourquoi il y a un gap aussi grand? 2 à 25, c'est quand même énorme. En fait, c'est parce que le taux d'insuline dans le sang est hyper variable. Alors, je connais vraiment pas le sujet, il faut vraiment que je creuse ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend une mesure de l'insuline à jeun, parce que sinon c'est encore moins fiable. Et rien que l'activité physique, ça dérègle toute cette mesure. Bien entendu, si elle est pratiquée trop proche des mesures d'insuline dans le sang, mais pas que. Après, je vais pas m'avancer trop parce que je connais pas le sujet. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait que la mesure est trop variable et que c'est pour ça que le gap est trop grand dans la mesure au niveau du taux d'insuline dans le sang? Bien entendu, on a le métabolisme de chacun qui va avoir un impact énorme. On peut donc inclure la génétique là-dedans. Bien sûr, aussi, on a le pilier qui va énormément aussi impacter cette variabilité du taux mesuré d'insuline dans le sang. Sur les autres piliers santé, je vais pas trop m'avancer, je sais pas quoi dire. Il y a un terme là pour indiquer que dans ce cas-ci, un taux mesuré peut être vraiment variable en fonction du facteur du métabolisme de chacun. Alors c'est pas switch biologique, c'est flexibilité biologique, je crois. Parce que là, je confonds aussi avec un autre terme qui est le switch métabolique ou le switch des macronutriments, je me rappelle plus. On va passer tout de suite à la vérif parce que j'ai rien d'autre à ajouter d'intéressant. Donc c'est parti, vérification. Quels sont les niveaux d'insuline sanguine considérés comme sains pour maintenir une bonne santé? Un niveau d'insuline sanguine considéré comme sain à jeun se situe généralement entre 2 et 25 mmHg, micro-unité par millilitre. Cependant, la plage exacte peut varier selon les laboratoires et les populations. L'insuline est une hormone clé produite par le pancréas et elle joue un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Voici une vue d'ensemble des niveaux d'insuline selon les différentes situations. À jeûne, niveau basal, entre 2 et 25 mmHg, est typiquement considéré comme sain. Postprandial, après un repas, les niveaux d'insuline augmentent en fonction des glucides ingérés. Ils peuvent monter jusqu'à 80 mmHg ou plus, puis redescendre après quelques heures. Des niveaux d'insuline anormalement bas ou élevés peuvent indiquer des déséquilibres métaboliques. Hypo-insulinémie, insuline basse, peut être un signe de diabète de type 1. Hyper-insulinémie, insuline élevée, est souvent liée à une résistance à l'insuline, ce qui peut conduire à un diabète de type 2 ou à des syndromes métaboliques. L'interaction entre l'insuline et ses récepteurs sur les cellules peut être comparée au principe de clé-serrure. L'insuline, la clé, se lie au récepteur d'insuline présent à la surface des cellules, la serrure, permettant ainsi l'entrée du glucose dans les cellules pour être utilisée comme source d'énergie. Le terme « insuline » vient du mot latin « insula », qui signifie « île », en référence au îlot de Langerhans dans le pancréas, où l'insuline est produite. L'insuline a été découverte en 1921 par Frederick Banting et Charles Best, ce qui a révolutionné le traitement du diabète. Imagine l'insuline comme un super-héros qui combat les méchants, le glucose en excès, en les capturant et en les envoyant dans les cachettes secrètes des cellules pour les transformer en énergie. Si notre super-héros est trop faible ou absent, les méchants errent dans le sang, provoquant des dégâts hyperglycémie. S'il y a trop de super-héros, les cellules deviennent paresseuses et refusent de les écouter, résistance à l'insuline. Pas mal, ça.
maintenir des niveaux sains d'insuline aide à prévenir plusieurs pathologies, comme le diabète de type 2, souvent dû à une résistance à l'insuline, le syndrome métabolique, qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires, lien avec la nutrition et la cuisine. Certaines recettes à faible index glycémique peuvent aider à contrôler la sécrétion d'insuline. Par exemple, cuisiner avec des légumes non féculents, des protéines maigres et des graisses saines peut réduire le pic d'insuline postprandiale. Lien avec la santé mentale. Des fluctuations importantes de l'insuline peuvent influencer l'humeur et le comportement alimentaire, en provoquant des envies de sucre ou des épisodes de hypoglycémie pouvant induire de l'irritabilité ou de l'anxiété. Ne confonds pas insuline et glucagon. Ce dernier fait le contraire de l'insuline. Il libère le glucose stocké pour augmenter la glycémie quand elle est trop basse. Pour te rappeler, les niveaux NO d'insuline à jeûne sont 2 à 25 mg/ml. Pense à la tranche de la journée entre 2 et 5 heures du matin, où notre corps est souvent au plus bas en insuline car nous jeûnons pendant le sommeil. Peux-tu expliquer pourquoi des niveaux trop élevés d'insuline dans le sang peuvent poser un problème à long terme? N'hésite pas à répondre. Eh bien, car ça peut, comme tu l'as très bien expliqué avec ton analogie, créer sur le long terme une résistance à l'insuline avec toutes les complications qui sont susceptibles d'arriver, comme le diabète de type 2. Exactement. En effet, des niveaux chroniquement élevés d'insuline peuvent entraîner une résistance à l'insuline, ce qui force le corps à produire encore plus d'insuline pour obtenir le même effet. À long terme, cela peut conduire à un diabète de type 2 et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Continue sur cette lancée. C'est quoi le mycélium ? Alors, le mycélium, qu'est-ce que c'est ? Donc, flashcard inédit, ça fait plaisir de tomber sur ce sujet pour qu'on l'intègre enfin dans notre deck santé. Alors, disons que le mycélium, c'est une sorte de champignon, donc famille des fungi, qui est en fait une partie de champignon, qui est la partie la plus dense qu'on trouve parfois dans le substrat, dans le sol. Elle peut aller sur d'autres surfaces. Vous connaissez sûrement le blob, qui est un champignon assez connu, où on peut observer justement son mycélium se propager, enfin vivre tout simplement. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qualifient le mycélium de structure de champignon plutôt qu'une partie, et notamment en fait par l'architecture en fait du mycélium, comme on peut l'avoir avec certaines racines de végétaux. Et d'ailleurs, il y a des symbioses hyper intéressantes entre mycélium et végétaux, d'où la complexité de culture de cèpes par exemple. Sinon, au niveau de la nutrition, ben, on l'a vu pas mal de fois, surtout récemment avec la fameuse substance AHCC, qui est un alpha-glucane très intéressant. Et on avait vu du coup que actuellement, ce fameux type d'alpha-glucane, qui est le AHCC, est en dose significative dans le mycélium de pleurote. Après voilà, faut rester au courant des avancées parce que la science évolue vite déjà, mais surtout, on en connaît très peu sur ce règne des fungi comparé au règne animal, voire végétal. Sinon, avant que j'oublie, au niveau du pilier environnemental, je sais que certains mycéliums sont étudiés et expérimentés pour dépolluer des substances, voire des sols en fait. Mais voilà, après je connais pas grand chose d'autre dessus, pareil, rester à jour sur ça, c'est intéressant. D'un point de vue sinon étymologique et historique, je sais vraiment pas quoi dire, je connais rien du tout, mais je suis vraiment curieux de connaître l'étymologie et le contexte historique. Et d'ailleurs, comme chaque semaine, j'améliore le prompt que je donne à l'IA pour qu'on fasse nos flashcards interactifs. Et là, on va utiliser le nouveau prompt pour cette flashcard inédite, voir la réponse de l'IA, mais aussi comparer à la réponse qu'on a eue précédemment sur l'insuline. Maintenant, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi le mycélium ? Le mycélium est l'appareil végétatif des champignons, composé de réseaux de filaments appelés hyphes. Il s'agit de la partie souvent invisible du champignon, qui se trouve généralement sous terre, ou dans des substrats comme le bois en décomposition. Le mycélium joue un rôle essentiel dans la décomposition des matières organiques, la fertilité des sols et les interactions symbiotiques avec d'autres organismes, notamment les plantes. Causes et facteurs de risque de sa dégradation. Les mycéliums sont sensibles à des facteurs environnementaux tels que la pollution, les modifications des sols,
comme l'utilisation excessive de pesticides, et le changement climatique, qui affecte la qualité du sol et l'humidité, des éléments cruciaux pour leur croissance. Mécanisme physiologique. Le mycélium fonctionne comme une usine biologique. Il décompose la matière organique, produisant des enzymes qui dégradent des substances complexes, comme la lignine et la cellulose, en nutriments plus simples, absorbables par les plantes. Certaines espèces, comme les champignons mycorhiziens, entrent en symbiose avec les racines des plantes, formant des réseaux souterrains de communication et d'échange de nutriments, souvent surnommés l'Internet de la forêt. Imagine le mycélium comme le système racinaire souterrain de la forêt, un immense réseau invisible qui collecte et redistribue des nutriments, tout comme un réseau Internet collecte et distribue des informations. Le mot mycélium provient du grec « mykès », signifiant « champignon ». Le terme a été formé au 19e siècle à partir de « mykès » et du suffixe « ium », indiquant un lien avec la biologie. Historiquement, les champignons ont joué des rôles variés dans différentes cultures, notamment en Chine, où le reishi et le shiitake étaient utilisés pour leurs propriétés médicinales. En termes scientifiques, l'étude du mycélium a vraiment pris de l'ampleur à partir du 8e siècle, avec les travaux de Carl Linnaeus. Mais c'est seulement au 20e siècle que des scientifiques comme Paul Stamets ont popularisé la compréhension de ses bienfaits écologiques. Stamets a souligné le rôle des mycéliums dans la bioremédiation, c'est-à-dire la capacité des champignons à décomposer les polluants, un domaine qui pourrait avoir de profondes implications pour la gestion de l'environnement. Les champignons médicinaux issus du mycélium, tels que le cordyceps ou le maitake, sont utilisés dans des compléments alimentaires pour renforcer l'immunité ou améliorer l'énergie. Il est également possible d'utiliser des kits de culture de champignons comestibles à la maison, qui exploitent le pouvoir du mycélium pour faire pousser des aliments riches en nutriments. Et ça fait des économies. En agriculture, intégrer des mycorhizes dans les pratiques de jardinage ou d'agriculture peut améliorer la santé du sol et réduire le besoin en engrais chimiques, ce qui est une démarche respectueuse de l'environnement. Lien avec d'autres disciplines. En écologie, le mycélium est crucial pour le recyclage des nutriments. En nutrition, certaines variétés de champignons, comme le shiitake, contiennent des nutriments importants et des composés bioactifs. En médecine, des études examinent l'utilisation du mycélium pour combattre des pathogènes résistants aux antibiotiques. Comparaison avec des concepts similaires. Le mycélium peut être comparé aux racines des plantes, mais alors que les racines servent principalement à ancrer la plante et à absorber l'eau et les nutriments, le mycélium est spécialisé dans la décomposition et l'absorption des matières organiques en grande quantité. Contrairement aux racines, il n'est pas limité à une seule espèce et peut établir des connexions entre plusieurs plantes. Pour retenir le rôle du mycélium, tu peux imaginer le mot « myco » comme un mystérieux réseau, un réseau souterrain mystique qui, à l'image d'un cerveau, est à l'origine de la vie dans les sols en orchestrant l'échange de nutriments entre plantes et sols. 1. Quelle est la principale fonction du mycélium dans un écosystème? A. Absorption des nutriments. B. Symbiose avec les plantes. C. Décomposition de la matière organique. D. Toutes les réponses ci-dessus 2. Quelle analogie peut-on faire pour décrire le mycélium dans une forêt? A. Un réseau Internet. B. Un système racinaire. C. Un groupe de champignons visibles. D. Une centrale électrique souterraine. 3. Comment les mycorhizes bénéficient-elles aux plantes? A. En les aidant à décomposer la lignine, en augmentant l'absorption de l'eau et des nutriments, C. En agissant comme parasites, D. En les connectant à d'autres plantes pour des échanges d'informations. Waouh, je ne m'attendais pas à ce type de questions. Hyper intéressant. Alors, pour la première question, quelle est la principale fonction du mycélium dans un écosystème? Eh bien, je dirais réponse C. Donc, que la principale fonction du mycélium dans un écosystème, c'est la décomposition de la matière organique. Ensuite, pour la deuxième question, quelle analogie peut-on faire pour décrire le mycélium dans une forêt? J'aurais bien choisi le système racinaire comme analogie, mais je pense que ça peut perturber un peu le lien neuronal qu'on peut avoir avec la symbiose du système racinaire des végétaux, avec le fameux mycélium. Donc, je dirais réponse D, une analogie avec une centrale électrique souterraine. C'est sympa. Et du coup, pour la troisième question, comment les mycorhizes bénéficient-elles aux plantes? Alors là, je dirais réponse D. Donc, les mycorhizes bénéficient aux plantes
en les connectant à d'autres plantes. J'hésitais parce que je me demandais si on ne pouvait pas ajouter la réponse A avec la réponse D, donc en plus des liens entre les plantes, ajouter la réponse A qui est le fait de décomposer la lignine, mais je suis pas certain, j'hésite. Donc voilà. Voyons ensemble tes réponses. 1. Décomposition de la matière organique C, c'est effectivement une fonction essentielle du mycélium, mais pour la réponse complète, il faut aussi prendre en compte son rôle dans l'absorption des nutriments et les relations symbiotiques avec les plantes. La bonne réponse serait donc D, toutes les réponses ci-dessus, car le mycélium joue un rôle clé dans plusieurs aspects écologiques, pas uniquement la décomposition. 2. Centrale électrique souterraine. C'est une réponse intéressante, et cela peut être une analogie créative pour comprendre le rôle énergétique du mycélium dans la nature. Cela dit, le réseau Internet A est plus communément utilisé comme analogie pour illustrer le mycélium, en raison de sa capacité à connecter différentes plantes et à favoriser les échanges entre elles, tout comme un réseau Internet connecte des systèmes distants. 3. Connexion entre plantes. Oui, les mycorhizes établissent des connexions entre plantes, mais elles jouent aussi un rôle majeur dans l'absorption de l'eau et des nutriments. B. La réponse correcte serait donc à la fois B et D, car les mycorhizes bénéficient aux plantes de plusieurs manières. N'hésite pas à utiliser ces retours pour clarifier ces concepts. Ok, hyper intéressant tout ça, hein. Il y a vraiment de quoi détailler la flashcard. J'ai déjà hâte qu'on tombe dessus et je trouve ça vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez du nouveau type de questions de compréhension pour les flashcards inédites. On pourrait même varier les types de questions de compréhension, en faire un type différent chaque jour par exemple. Par contre, j'ai remarqué que même si j'ai fait pas mal d'erreurs, sur la première question, l'IA nous demande quelle est LA principale fonction du mycélium, alors que la réponse, c'est la réponse D, soit toutes les réponses ci-dessus, donc plusieurs fonctions. Donc est-ce que c'est une erreur de sa part ou une question piège? Je ne sais pas. Et aussi, j'ai été étonné quand même que le terme mycélium veut tout simplement dire en grec champignon. Je m'attendais à quelque chose de plus précis. Et concernant les différentes analogies, donc réseau internet, système racinaire, centrale électrique, etc. C'est bien d'avoir ce type de questions, je trouve, pour avoir des nouvelles idées d'analogies mémorables. Mais je pense réellement qu'il n'y a pas, en fait, de bonnes réponses. C'est à chacun de nous de trouver celle qui nous correspond le plus, parce que plus l'information est personnelle et farfelue, plus c'est mémorable. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao!